Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde virtuelle organisée dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles, une table ronde dans laquelle nous allons parler d'un roman, qui est paru en 1928 à la Renaissance du Livre, vous voyez là sa couverture originale, et qui vient d'être republié dans la collection Espace Nord, et donc qui s'appelle Le Martyr d'un supporter. Et pour vous mettre directement dans l'ambiance de ce livre, je vais vous lire un extrait du deuxième chapitre. De plus en plus dense, la foule coulait en rigole noire vers la plaine des sports. Furieuses, les autos klaxonnaient, les trams vomissaient des flots d'hommes. Les agences énervées chiffonnaient des mines sombres sous leurs casques blancs. Rythmiquement, une même passion mouvait toutes les jambes et un magnétisme contagieux émettait de larges ondes qui faisaient frissonner au balcon les drapeaux mauves. Une ivresse vaporeuse embaumait l'air et malgré lui, Prosper Goffineau dilatait les narines. Fétu, bureaucratique, il dérivait au gré du fleuve humain. Au guichet, Antoine, avec rondeur, prévint le geste de Prosper. Mais non, laisse-moi faire. Je puis bien payer la joie de t'initier au football. Et il s'incorpora dans la file tandis que Goffineau bredouillait un dernier refus. Une clameur s'éleva, déploya sur le terrain son tissu d'impatience et d'allégresse. Les supporters de l'Union acclamaient leurs équipiers, un groupe de maillots bleus aussitôt dispersé sur une moitié de plaine. Bientôt, une nouvelle clameur, plus dense, plus vibrante, s'épanouit, heureuse comme un soupir longtemps contenu. Les joueurs locaux apparaissaient, visages souriants, poumons avides d'air, cœur battant d'espérance. Devant la certitude qu'exhalait la course svelte des adversaires vers le goal opposé, les équipiers de l'Union s'immobilisèrent un instant. Ils éprouvaient le besoin de se rapprocher, d'échanger quelques paroles pour regonfler leur confiance, tandis qu'en face d'eux, les joueurs du Sporting dessinaient un parterre changeant de fleurs mauves. Voici donc ce qui est la première description probablement qui fait entrer le football dans la littérature. Et ce premier roman sur le football, eh bien, il n'est pas écrit en Angleterre, la patrie de naissance du football. Il ne parle pas de Manchester United, du Real de Madrid. Ce roman est écrit par un romancier belge, Maurice Carême, et il parle du Sporting d'Anderlecht. Voilà donc encore un élément exceptionnel de notre patrimoine littéraire que de compter ce premier roman au monde consacré au football. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rossano Rosi, qui est un spécialiste de la littérature, qui est aussi un écrivain, un romancier. Et Rossano Rosi a réalisé un dossier pédagogique autour du roman qui sera disponible. Là, vous voyez la couverture de ce dossier pédagogique. Ce dossier pédagogique sera disponible gratuitement sur le site d'Espace Nord. Il pourra être téléchargé par tous les enseignants pour s'en servir dans leurs cours. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Thierry Luters, qui est un Bonjour. journaliste sportif connu, qui est un historien et qui a aussi une passion pour les tombes. Et nous aurons l'occasion, à la fin de cette rencontre, de parler des tombes, en particulier de la tombe de Maurice Carême. Alors, le lien entre le football et la tombe de Maurice Carême vous semble peut-être a priori étrange, mais en réalité, il y a bien un lien que nous allons découvrir. Et puis, alors ensuite, pour tous ceux qui auront envie d'en savoir encore un petit peu plus sur Maurice Carême, vous pourrez vous joindre à une visite virtuelle guidée de sa maison. Et vous avez dans le chat le lien pour rejoindre cette visite virtuelle donc, qui se passera sur une autre sur la plateforme Zoom. Et vous avez donc le lien et le code secret de la réunion. Donc voilà, tout d'abord, pour commencer, ben, j'aimerais bien, Thierry Luters, savoir ce que vous avez ressenti en tant que journaliste sportif, que spécialiste du football, à la lecture de ce roman publié en 1928. J'ai trouvé que ce roman était quelque part un peu philosophique, parce que la philosophie finalement de l'ouvrage, c'est que le football tue. Je m'explique, c'est-à-dire que, donc en deux mots, c'est un clerc de notaire assez bourgeois de l'entre-deux-guerres à Bruxelles,
qui, totalement par hasard, se prend d'abord d'intérêt, puis d'amour, voire d'affection pour le Sporting d'Anderlecht, même si curieusement le nom d'Anderlecht n'est jamais cité. Et sans vouloir dévoiler tous les rouages et les secrets de l'ouvrage, ben, ça va quand même lui coûter cher sur le plan sentimental, familial et même de la santé. Et donc là, j'y vois une certaine allégorie quand même où ce personnage devient complètement aliéné au monde du football, ce qui est très intéressant aussi, même si le style est parfois un petit peu ampoulé, voire désuet, mais on est très loin évidemment des articles qu'on peut connaître dans la presse sportive quotidienne ou hebdomadaire, mais c'est ça qui rend aussi peut-être historiquement intéressant cet ouvrage-là. On peut déjà déceler quand même toute la passion d'un supporter pour un club qui finalement bah, est éternel, ça n'a pas beaucoup changé. Et un peu plus surprenant, puisque nous sommes dans l'intrigue à la fin des années 30, bon, c'est une fiction, mais ce n'est pas tout à fait une fiction, parce qu'on se doute bien que ces choses-là ont pu arriver dans les stades à ce moment-là. Il y a déjà une part de folklore qui est plutôt sympathique et qui a aussi perduré dans le monde du foot, mais plus inquiétant, sans doute déjà, les graines du hooliganisme, puisque notre héros, là, à un moment donné, est victime de la lancée deux, qui est le pluriel de d'œufs, puisque je pourrais dire aussi lancer deux, eux, les supporters du camp adverse. Et donc, c'est assez intéressant et symptomatique. Et enfin, dernière chose, pour contextualiser le propos d'un point de vue historico-sportif, ben, le Sporting d'Anderlecht, à la fin des années 30, n'est pas le club flamboyant que l'on connaît aujourd'hui. Il va d'ailleurs descendre en division 1, puisqu'on parlait de division d'honneur et de division 1 dans la hiérarchie sportive de l'époque. Et finalement, il ne connaîtra sa période de gloire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec un premier titre en 1947. Voilà. Merci pour cette contextualisation. Et Rossane Rosé, j'aimerais avoir votre avis, donc de spécialiste de la littérature. Prendre le football et même le sport en général comme sujet de roman, ce n'est pas banal, surtout à cette époque-là. Est-ce que Maurice Carême est un précurseur? Oui, je veux d'abord dire que être un fan d'un club qui n'est pas justement à son heure de gloire, c'est tout à l'honneur de Prosper Goffineau dans le roman. Hein. Donc voilà, le Sporting dont il est un fervent supporter, dont il devient un fervent supporter, n'est qu'un club qui effectivement doit lutter pour la survie. Ce n'est que d'autant, je ne suis que d'autant plus admiratif de Prosper. Donc voilà, je tenais juste à dire ça, parce que c'est toujours un peu facile évidemment d'être un grand supporter d'un club qui rafle tout. Hein. Voilà. Alors oui, 1928, donc lorsque le roman de Maurice Carême sort, donc Maurice Carême a 29 ans, puisqu'il est né en 1899. C'est d'abord étonnant parce que Maurice Carême est d'abord un poète, et il est évidemment surtout connu comme poète. Moi-même, j'ai été très surpris de voir qu'il avait écrit quelques romans, et lorsque je me suis plongé dans la lecture de ce roman à la Bibliothèque royale, j'ai été épaté d'emblée, et bon, juste après, donc, s'en est suivi la republication en Espace Nord. Mais ce qui m'avait vraiment doublement épaté, outre le fait que c'est un roman très agréable à lire et très amusant et même un peu cruel, c'est le fait tout simplement qu'il prend le foot et le sport comme objet littéraire, comme thème. Ce qui est quand même pas très 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 courant, même à l'heure actuelle. On pourrait citer bien entendu quelques ouvrages de Laurent Mauvigné ou de Jean-Philippe Toussaint, etc. Mais c'est quand même pas quelque chose de très courant, et dans les années 20 encore moins. Donc, il y a quand même, moi, ce qui m'a frappé dans la lecture de ce roman, c'est qu'il y a quand même deux thèmes très forts et qui sont tous les deux thèmes émergents. C'est le cinéma, parce qu'on parle beaucoup de cinéma dans Le Martyr d'un supporter, puisque la fille de Prosper est une grande spectatrice. Elle rêve de films et de scénarios. Et le football, qui lui aussi est né plus ou moins à la même époque que le cinéma. Et donc, le cinéma, bien entendu, dans la littérature, on en trouve beaucoup. Mais le foot et le sport, c'est très rare. Et j'entends dire que Le Martyr d'un supporter serait le premier livre consacré, le livre de fiction consacré au foot. Je n'ai pas été vérifié, mais je pense que ça peut être vrai. Et c'est particulièrement étonnant. Venant d'un poète en plus. D'après mes recherches, effectivement, je n'ai pas, jusqu'à preuve du contraire, ce serait le premier livre consacré au football. Et il faut savoir que Maurice Guérin avait gardé un assez mauvais souvenir de la réception du martyr d'un supporter. Cela m'a été rapporté par sa secrétaire, Jeannine Burnier, et par l'un de ses amis très proches, Jean-Pierre Van den Branden. Et Maurice Carême avait eu la sensation que parce qu'il avait abordé ce thème du football, il avait été pris un peu de haut dans le monde littéraire, il avait eu un malentendu autour de lui.
Alors, j'ai fait des recherches et si l'on regarde la réception du martyr, on se rend compte que le ressenti de l'écrivain ne correspond probablement pas à la réalité. Les critiques sont dans leur majorité très positives, mais il y a un étonnement que vous avez souligné, avoir un poète qui jusque-là est plutôt catalogué à l'avant-garde, qui a eu un prix prestigieux l'année précédente, qui est le prix de Raron, s'intéresser à un sujet aussi populaire. Mais souvent, on considère qu'il s'en est tiré avec brio, on le compare à Daudet. Alors, un extrait d'article hein, pour vous donner la tonalité de la presse de l'époque, c'est un article du Soir. Le supporter entre tout à coup dans la littérature. Il y a plus d'un demi-million de supporters en Belgique où depuis la guerre, surtout leur tribu s'est développée avec ses clans, ses querelles, ses fanfares, ses drapeaux, ses cafés et ses bières. Un de nos jeunes écrivains, Maurice Carême, qui l'an dernier fut las du prix de Raron, a étudié ce type nouveau de l'humanité, ses passions, ses manies. Il l'a suivi dans sa famille, dans son café de club, à la plaine du football et ne l'a plus lâché. Cela nous vaut un livre à la fois comique et douloureux, un peu de la folie et de la foi des gens du sport avec la vie bruxelloise observée avec bonne humeur et narquoise. Le premier roman sportif et le 2 millions de supporters voudra le lire pour s'y retrouver, s'y admirer et s'y pleurer, car le martyr d'un supporter raconte la vie d'un de ces curieux amateurs que le sport envoûte comme une malédiction. C'est le livre d'aujourd'hui. Les supporters ont maintenant leur écrivain, comme les pêcheurs d'Islande, les peaux-rouges et les chasseurs de casquettes ont le leur. Alors, il y a à l'opposé quelques critiques qui montrent des réticences à faire du football un sujet littéraire. Et là, je vous en lis une autre. Qui pourrait croire que le dernier prix de Raron aurait écrit le martyr d'un supporter? Faut-il reprocher à Maurice Carême d'avoir abordé un sujet semblable? Déjà des revues, des journaux ont consacré des chroniques à son roman où l'auteur était pris à partie pour s'être laissé tenter par l'espoir d'un succès facile. Succès facile, entendons-nous, car il n'est pas encore bien certain que le martyr de Prosper Gofino satisfasse les supporters de Belgique dont les rangs sont innombrables. Les sportifs liront-ils le livre de Maurice Carême? Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on décèle dans ses critiques une sorte de mépris de classe pour les supporters qui ne sont pas censés être des gens cultivés qui pourraient aimer la littérature et le football n'aurait pas sa place dans la littérature. Ça, je crois que là, on est dans un nœud imaginaire qui est assez intéressant par rapport à cette réception. Et aussi, quand on pense à la littérature et au football, ben, il y a, à part le martyr d'un supporter, il y a un deuxième texte qui vient à l'esprit et qui est belge, lui aussi, c'est la pièce de théâtre Bosmans et Coppenole qui est représenté juste 10 ans après l'apparition du martyr d'un supporter en 1938. Donc c'est tout à fait remarquable que dans la littérature belge, il y ait dans l'entre-deux-guerres 2 œuvres sur le football. Et je me demandais pour vous deux, est-ce qu'on peut rapprocher ces 2 œuvres ou est-ce qu'il faut les opposer dans le point de vue qu'elles posent sur le sport et le football? Si vous permettez, par rapport à votre question, là, avec Bosmans et Coppenole, qui est un classique hein, qu'on joue toujours aujourd'hui, c'est le vaudeville bruxellois dans toute sa splendeur. Et c'est évidemment tout le côté folklorique et bon enfant du foot qui est quand même mis à l'honneur. Parce qu'en réalité, pour les amateurs de foot bruxellois, et pour les autres d'ailleurs, le vrai derby à Bruxelles, c'était Dering Union. Bon, maintenant, le Dering a disparu. Et il a pris différentes formes pour maintenant se trouver au Racing White, Dering de Molenbeek. Donc, le derby existe toujours. L'Union, elle, en plus, existe toujours et pour le coup, vient de monter en première division. Tandis que dans l'ouvrage de Maurice Carême, à un moment donné, il fait allusion à un derby, mais ce n'est pas vraiment le vrai derby parce que Anderlecht, au fur et à mesure, a pris une telle dimension qu'il n'a plus se cacher strictement bruxellois. Anderlecht est devenu un club qui a très grand écho dans le nord du pays et dans le sud aussi. Il y a beaucoup de supporters qui viennent du Pajottenland, du nord de Bruxelles. Donc, il n'a pas ce caractère derby de la Zouange, qui est décrit avec beaucoup de talent, d'ailleurs, dans la pièce Bosmans et Coppenole. Et puis, si vous le permettez, je vais juste rebondir sur les propos précédents. Je trouve que la critique est un peu injuste, parce qu'en réalité, le foot est un prétexte dans ce roman. Parce que notre protagoniste, il pourrait avoir une addiction à bien d'autres choses qui auraient eu les mêmes conséquences sur sa vie privée, familiale et sur sa santé. Et alors, Rossano parlait avec beaucoup de pertinence de l'émergence contemporaine et concomitante du cinéma et du football à la fin du 19e. Et ça m'a fait penser quand même aussi à un film
qui n'était pas très réussi, qui est relativement récent, de Riton Liebmann, qui est ce comédien bruxellois installé à Paris. Et il a fait un film qui partait du même postulat, qui s'appelait Je suis supporter du Standard, et qui était aussi l'histoire d'un supporter ben, qui, par sa passion chronophage et dévorante pour un club de football, en l'occurrence le Standard, ben, voyait toute sa vie sentimentale et privée basculer. J'avais un gros bémol par rapport à ce film, c'est que le supporter vivait à Bruxelles et que le film était assez connoté bruxellois. Alors que bon, quand on est supporter du Standard, on est quand même majoritairement dans la cité ardente. Enfin, ça nous emmène sur d'autres chemins qui ne sont pas les propos d'aujourd'hui. Alors, Rossano, Oui. le parallèle avec Bosman Scopidol, d'autres. Oh, je pense qu'il est évident dans la mesure où on ne peut pas ne pas y penser. Voilà, parce que Lodering apparaît quand même aussi dans le roman de Carême. Il y a un match Dering Sporting qui est assez pas mal décrit. Je crois qu'il y a trois ou quatre matchs qui sont décrits dans le roman, contre le Cercle, contre l'Antwerp, contre le Dering. Contre Mais Lyon. il n'y a pas la charge émotive, effectivement, comme le disait Thierry Luther, ce que l'on trouve dans la pièce mythique, on va dire, de Bosman et Coppenole. Je ne retombe jamais sur le nom d'ailleurs des deux auteurs, mais j'ai du mal à les retenir. Paul Van Stahl, je crois. Oui, et puis l'autre, enfin bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, donc oui, on ne peut pas ne pas y penser, mais c'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression quand même ici le roman de Carême, comme Thierry Luther avait raison de dire, ça aurait pu être autre chose, mais c'est plus la passion en tant que telle qui est analysée et qui est porteuse du récit. Le sport aussi, évidemment, mais la passion en tant que telle est vraiment décrite comme quelque chose, comme un cancer qui se développe, qui ronge quelqu'un, et puis voilà, jusqu'à l'issue fatale, sans vouloir déflorer la fin qui est vraiment très belle. Mais ça, je pense que ça fait quand même une grosse différence. Mais maintenant, il est vrai que certainement, Maurice Carême devait avoir un attrait pour le foot, pour avoir choisi le football comme sujet principal de son roman, pour qu'il incarne la passion, c'est qu'il devait quand même aimer le foot. Voilà, beaucoup. Mais ce n'est pas la même chose que la pièce de théâtre, parce que bon, je crois qu'il y a vraiment. Je pense encore qu'à mon avis, à l'époque du Martyr, on ne voyait peut-être pas non plus encore les Bruxellois comme on les voit à la fin des années 30, dans ce qui va devenir un cliché, ne serait-ce que l'accent bruxellois, etc. Je trouve qu'en 1928, on n'est pas encore tout à fait dans ce monde-là, et que c'est d'abord, moi, je pense, un roman sur une passion, du football, certes, mais aussi un roman sur la petite bourgeoisie de l'époque. Parce que c'est un sport populaire, c'est un sujet populaire, mais le peuple n'apparaît quasiment pas dans le roman de Maurice Carême. Il y a des foules, mais tous les individus, tous les personnages du roman sont tous des bons petits bourgeois, un peu à la Magritte, hein, je veux dire, un clerc de notaire, un instituteur, une dactylo. C'est vraiment le tout petit monde que l'on peut retrouver, par exemple, dans les romans de Raymond Queneau ou de Céline plus tard. Je trouve que là, il y a vraiment plus de points communs avec ce monde-là, pour moi, qu'avec la pièce de Bosman Scopidol. Alors, vous avez souligné les deux aspects qui me semblent majeurs dans ce roman, c'est un aspect métaphysique et un aspect social. Alors, pour commencer par l'aspect métaphysique, c'est vrai que le sport donc, est un prétexte, c'est un roman sur l'idolâtrie, et on peut se dire que Prosper Goffineau, dans le fond, il mène une quête mystique dévoyée. Il a confondu la religion et le football, et je crois qu'une étude des champs lexicaux serait extrêmement pertinente. Et la force du roman, c'est de mettre en parallèle la dérive de Prosper Goffineau vers le football avec le fait que sa femme, elle, est en train de tomber dans une secte religieuse. Donc, il y a là une construction qui nous pose des questions tout à fait brûlantes, des questions d'actualité. C'est vrai que le vocabulaire du roman a commencé par le mot martyr, mais le mot passion, si, qui apparaît à plusieurs reprises, la passion est aussi un terme liturgique, on va dire. Donc, il y a vraiment en filigrane de tout le roman, effectivement, une allusion, enfin, plus qu'une allusion, une présence du fait religieux, bien sûr. Alors, chacun des personnages est entraîné par une passion qui l'emmène vers sa perte, l'un pour le football, l'autre, donc Octavie, la femme qui tombe dans une secte avec une guérisseuse. Et puis, il y a ce portrait de la jeune fille, de la fille de Prosper Goffineau, qui, elle, est animée d'une passion autre. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez un peu nous décrire ce personnage qui est très attachant en même temps. Hein. Tous les personnages sont attachants.
Alors, elle aussi, elle a un nom très connoté. Angélique, c'est l'ange aussi. Donc, voilà. Octavie, c'est un nom d'impératrice. Enfin, bon, je trouve que les noms et les prénoms, Prosper, ça veut dire heureux en latin. Mais bon, il n'est pas si heureux, le bonhomme. Hein. Donc, il y a vraiment, je trouve, un beau travail là, sur le nom des personnages dans le roman. Mais je ferme la parenthèse pour répondre à votre question. Oui, Angélique est un personnage très touchant. Voilà. C'est une espèce de petite cocotte. Je dis ça sans méchanceté, mais c'est quand même un petit peu comme ça qu'elle est décrite. Elle rêve d'ailleurs, elle rêve, elle voit des films et donc elle se fait des films. Elle rêve de tomber sur une espèce de prince charmant. Le premier sur qui elle tombe, dont j'oublie le nom, elle le prend pour un grand peintre. Et le premier rendez-vous, ce ne se passe déjà pas très bien parce qu'il lui donne rendez-vous devant un urinoir public. On peut trouver quelque chose de plus romantique, évidemment, comme premier lieu de rendez-vous. Et puis elle s'aperçoit qu'au lieu d'être le grand peintre ou le grand artiste dont elle rêvait, elle s'aperçoit que c'est un marchand de valises à l'Innovation ou au Grand Bazar ou je ne sais plus dans quel magasin de l'époque. Et donc, voilà, et ce qui est d'autant plus cruel, parce que comme une valise, ça fait penser au voyage à l'ailleurs, au rêve, bien sûr. Mais là, entre ça et le fait de vendre des valises dans un grand magasin, il y a bien entendu un abîme. Hein. Et donc, voilà, c'est une désillusion pour la pauvre Angélique qui va... mais qui est quand même très courageuse parce que pour une femme de l'époque, donc elle se trouve un boulot, elle devient dactylo et elle se fait draguer et elle a une liaison avec le fils du patron, si je ne me trompe, qui conduit une magnifique voiture, etc. On ne sait pas comment l'histoire se terminera, mais voilà, là il y a quand même une passion moins dévorante que celle de son père, mais qui est quand même présente pour le cinéma, pour l'amour, en espérant donc que cette passion débouchera sur ce dont elle rêve, c'est le grand luxe, des draps en satin, des voyages, de la richesse, des automobiles, etc. Voilà. Là, il y a de l'humour et en même temps, je pense, de la tendresse aussi vis-à-vis de ce genre de personnage qui était certainement très commun à l'époque et qui n'a pas disparu, évidemment, de la scène sociale, puisque les gens qui rêvent de tout ça sont encore très nombreux, me semble-t-il. Oui, et donc, comme vous le dites, c'est un roman qui a un ton souvent ironique, grinçant, mais en même temps avec de l'indulgence et qui va dresser un portrait assez sombre quand même de cette petite bourgeoisie très insatisfaite dans la banalité de son quotidien et où l'on cherche des moyens d'évasion. On n'attend pas forcément Maurice Carême dans cette critique sociale et cette peinture des mœurs. Non, mais ça vient quand même tôt, moi, je trouve, dans l'histoire littéraire. Hein. N'oublions pas qu'on est en 1928 et que quand on pense à des écrivains qui peignent un petit peu la même tranche sociale, j'ai cité tout à l'heure Raymond Queneau ou Céline en France, on pourrait penser aussi à Thomas Owen, par exemple, en Belgique, avec Hôtel Meublé. Ça vient dans les années 30. On est quand même très tôt et je trouve qu'on est encore, évidemment, 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, sous l'impact émotionnel et la charge vraiment très très forte que ce conflit hyper meurtrier a provoqué. Et s'intéresser tout à coup à des sujets légers, de façon grinçante, etc., je ne suis pas sûr que ce soit la norme dans les années 20. Je n'ai pas, bon, je sais qu'il y a des avant-gardes qui sont allées beaucoup plus loin. Là, je parle ici d'une littérature plus moderne et plus classique, entre guillemets. Mais voilà, moi, je trouve que ça vient quand même assez tôt, ce regard ironique sur la société, un peu amusé, mais jamais méchant, en tout cas. Même s'il y a parfois des petits coups de griffe qu'on retrouve d'ailleurs dans un recueil de poèmes qu'il a écrit un an plus tôt, hein, 2 ans plus tôt, Hôtel Bourgeois, qui est un magnifique recueil qui mériterait d'ailleurs d'être réédité, dans lequel on a là aussi une description de personnages de cette même classe sociale où on perçoit à la fois de l'ironie et de l'attendrissement. C'est très intéressant ce parallèle que vous faites avec Hôtel Bourgeois parce qu'on voit que dans la presse de l'époque, il y a eu une surprise que l'auteur d'Hôtel Bourgeois fasse le martyr d'un supporter, mais je trouve qu'il y a un lien total, parce qu'on est dans la même critique de la petite bourgeoisie, Hôtel Bourgeois, ça se passe dans une pension de famille durant des vacances, et c'est absolument abominable, et donc le narrateur, le poète,
étouffe dans cette pension de famille et on retrouve les mêmes portraits. Alors, je vous ai pris un portrait de personnage dans Le Martyr un supporter avec ce ton assez grinçant, c'est Achille Penoux. Donc, il dit que les pardons, les excusez-moi, les vous permettez, les vous êtes bien aimables, foisonnés entre sa moustache et sa barbe, car il n'était jamais bien sûr de ce qu'on lui disait. Figure compassé, geste mesuré, rein tordu, membre rabougri, il semblait personnifier la dèche de l'État. On voit un ton voilà, assez cruel là, dans cette description. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Hôtel Bourgeois et Le Martyr d'un supporter, on ne trouvera plus jamais ce ton-là, à ma connaissance, j'en suis certain, sous la plume de Maurice Carême. C'est quelque chose qui est très présent dans ce premier carême, dans l'œuvre du premier Carême, et puis qui ensuite disparaît. Ça, c'est aussi quelque chose à analyser. Oui, et un humour. J'avais pointé dans le dossier pédagogique des phrases qui m'ont fait vraiment, je ne vais pas dire beaucoup rire, mais que je trouvais très, très drôle. Son courage fondit comme une motte de beurre en juillet, par exemple. On ne s'attendrait pas à lire ça sous la plume de Carême. Ce n'est pas en tout cas la réputation qu'il a. Ou Prosper qui mène une existence d'okapi dans un jardin zoologique. Voilà, je trouve que là, il y a un goût pour l'incongruité qui est vraiment très drôle et que l'on retrouve vraiment dans tout le roman de façon très régulière et qui en fait une lecture amusante, légère et profonde en même temps. On a parlé de métaphysique tout à l'heure et je pense qu'il y a un petit peu de ça, effectivement. Alors, à côté de cet aspect métaphysique, de cet aspect qui parle de la vie des classes sociales, ce roman est aussi une véritable machine à remonter le temps, qui nous fait découvrir un monde du football où, par exemple, on avait un comité de supporters qui participaient à la sélection, où on pouvait charger un supporter particulièrement fervent d'une mission confidentielle pour conserver un joueur au sein de l'équipe alors qu'il voulait s'en aller. Donc ça, c'est le rêve, à mon avis, Thierry Luther, de tout supporter, hein, de participer à la construction de l'équipe et aux discussions pour garder les joueurs. Par contre, ce qui est complètement absent de ce livre, c'est la figure de l'entraîneur. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce qu'il n'y avait pas d'entraîneur à l'époque et quand apparaîtra l'entraîneur moderne? Quand même rappeler qu'à l'époque, le football belge, même de haut niveau, n'était pas professionnel, puisque ça est venu dans les années 70. Donc, il y avait évidemment un entraîneur. Il est même arrivé dans l'histoire du football belge que Bill Gormley, par exemple, soit l'entraîneur du Sporting Anderlecht et de l'équipe nationale, de façon conjointe. Vous savez que c'est ma passion, donc je peux vous préciser qu'il est enterré au cimetière du Vogelsang à Anderlecht. Et tout à l'heure, j'ai entendu le nom de Thomas Owen, qui lui repose au cimetière de Schaerbeek. Et donc, oui, évidemment, il y avait un entraîneur. Mais vous savez, les supporters qui veulent avoir leur mot à dire dans la gestion d'un club, finalement, ça existe toujours, le phénomène de socios en Espagne, puisque ce sont quand même eux qui, in fine, vont élire le nouveau président d'un grand club comme le Barça ou le Real. Donc, cette notion un petit peu de co-responsabilité, elle, je pense qu'elle existe toujours. Et c'est vrai qu'il ne cite pas le nom de l'entraîneur. Et finalement, à part sa tête de Turc, là, qui est un défenseur qui foire deux, trois matchs d'affilée, il ne cite pas non plus beaucoup de noms de joueurs. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la dérive de l'épouse délaissée qui quitte le domicile conjugal et qui est ensectarisée, si vous permettez ce néologisme. Moi, j'ai retrouvé pas mal de traces de guérisseuses dans mes recherches pour mes différents ouvrages où il y a encore une sorte de dévotion des décennies plus tard avec des ex-voto qu'on dépose encore aujourd'hui sur les tombes. Et puis, qu'on le veuille ou non, le foot a un côté très mystique. Je pense qu'il y a une relation très forte entre le supporter qui s'identifie à son club et souvent à des joueurs. Et on s'en est encore bien aperçu il n'y a pas longtemps avec la mort de Diego Maradona, qui avait une véritable dimension mystique, pour ne pas dire à la limite même christique, parce que quand, et je ne fais pas de jeu de mots parce que son compatriote s'appelle Lionel Messi, mais c'est vrai que Maradona, quand on a vu quand même ce que ça a provoqué comme onde émotionnelle en Argentine essentiellement, ben on se rend compte en effet à quel point un supporter peut devenir complètement dingue et faire passer avant tout, même sa vie privée, sa vie professionnelle, ben la vie de son club ou la vie d'un joueur.
Oui, et dans ce roman, c'est vraiment la foule, et on le voyait dans la première description, l'importance de la foule. Alors d'un côté, Maurice Carême s'enthousiasme pour l'énergie qu'elle dégage, pour ses couleurs, ses chants, et là on sent le poète hein, qui aime la décrire, et d'un autre côté, il montre le côté désinhibant de la foule pour ces petits êtres, ces hommes qui sont brimés dans leur quotidien, qui vivent dans la banalité. Soudain, ils font partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes, ils ont l'impression de participer à ce corps collectif. Évidemment, il y a tous des phénomènes de socialité qui se développent, qui font partie d'une famille unie, mais qui peuvent aussi les amener à de la violence. Il y a cette description des rituels d'aller enterrer l'équipe adverse après et d'aller la provoquer évidemment dans son quartier et qui tourne à l'émeute. Et cette émeute, elle est cherchée parce qu'elle resserre le groupe et elle donne l'impression d'exister. Et là, j'imagine que ce sont encore des phénomènes dont on peut tout à fait retrouver aujourd'hui des dynamiques de groupe qu'on peut retrouver dans des clubs de supporters. Je peux oui, prendre le passage. Pardon. Allez-y, Rosano. Je me proposais juste de lire le passage avec l'enterrement. Oui, très bonne idée. Mais Thierry Luther, vous voulez peut-être d'abord réagir à ce que vous venez de dire. Mais oui, il y a un très fort sentiment d'appartenance, et alors on se sent plus fort évidemment quand on est dans une organisation un peu clanique hein, finalement, avec le groupe autour de vous. Ça c'est clair que ça n'a pas changé, et puis ce qui est une des caractéristiques du foot, et sans doute plus du foot que les autres sports, c'est le brassage social qu'on peut retrouver dans un stade, parce qu'on dit toujours un petit peu en caricaturant, le prof du NIF côtoie l'ouvrier dans la même tribune, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, et là, je pense que toutes les frontières sociales sont abolies dès lors qu'on est unis dans une même passion et surtout qu'on a l'amour pour le même, j'allais dire, le même produit, en tout cas le même club ou le même matricule, comme on dit. Et ça dure alors qu'en fait, aujourd'hui, dans le foot ultra-professionnel, avec l'ultra-libéralisation du football à laquelle on assiste, où les joueurs sont devenus des marchandises qu'on échange d'un club à l'autre, bien les joueurs passent, mais l'amour du club reste malgré tout chez le supporter. Alors qu'avant, on avait quand même des clubs bruxellois avec des joueurs bruxellois, on avait des clubs wallons avec beaucoup de joueurs wallons, ça n'existe quasiment plus, mais le sentiment d'appartenance au club et au groupe de supporters qui est derrière existe toujours. Oui, ça s'est vu encore dernièrement avec la saga de la Super League. Hein. Les supporters de Manchester ou de Tottenham, comme ils ont réagi, c'est quand même assez frappant. Moi, je trouve. Ils n'auraient pas réagi comme ça s'ils n'avaient pas l'amour de leur club chevillé à leur corps. Hein. Ça, c'est certain. Et en Italie, ça s'est peut-être moins senti, mais en Angleterre, je trouvais que c'était assez étonnant. C'est vraiment cette réaction viscérale. Hein. Oui, c'est vrai. Je peux lire l'extrait avec l'enterrement voilà. Donc, vraiment, le Sporting semblait jouer chaque dimanche pour vérifier les pronostics d'Alphonse Seldoris. Il avait parié 100 francs avec l'horticulteur Pourrette que le Daring serait battu par 1-0. Et une fois de plus, les mauves lui donnaient raison. Prosper félicitait le maraîcher de sa clairvoyance pendant que celui-ci harnachait son cheval. Et tandis qu'il sortait sa charrette à légumes, Goffino riait encore de plaisir au souvenir de cette rencontre disputée sous une pluie battante. Il entendait encore la trompe de Lamballe qui semblait dominer le tumulte pour hurler avec lui « On les aura ! On les aura !» Prosper riait surtout de la bonne blague qu'on allait jouer aux supporters des Noirs. Les Noirs, c'est le Daring. Il monta à côté de Seldoris. Le cheval emballa et ils débouchèrent sur la place en face du local du Sporting. Philibert et le tailleur tout fait les y attendaient déjà avec un mannequin habillé aux couleurs du Daring. Mais les rires éclatèrent quand Lamballe et François Van Ewigate apportèrent un superbe cercueil pris dans la vitrine de ce dernier. En un tour de main, le mannequin fut installé dans le cercueil ouvert que l'on dressa sur la charrette. Les supporters se massèrent en une garde houleuse et le convoi s'ébranla hérissé de quolibets. Dans les rues de la commune rivale, les cafés s'étaient vidés sur les trottoirs et bientôt les mauves furent coincés entre deux haies menaçantes. Tout à coup, une pomme de terre frôla Lamballe qui, grimpait sur la charrette, pleurait convulsivement le mort, un grand mouchoir rouge sous le nez. Plus sensible à l'affront, les femmes se débondaient comme des tonneaux pleins d'injures et lardaient le cortège, rigolant de pelures, d'oranges, de têtes de crevettes et de coquilles d'escargots. Alors quelques mauves exaltés par la haine, hein, qui resserraient rapidement ses cercles autour d'eux, hurlèrent « Une marche funèbre, s'il vous plaît, et en cœur, enterrons dignement le Daring !» Et ça continue dans la même veine. C'est fort, hein ? C'est
fort. Et on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à du hooliganisme, parce que plus tard dans le roman, on évoque que Prosper Gofino a reçu un coup de cutter aussi dans une... Oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs son titre de gloire, ce qui en fait le père des supporters, le meilleur des supporters, puisqu'il a reçu un coup de cutter d'un supporter adverse. Un martyr. Voilà, un martyr. Alors, ce qui est aussi étonnant dans ce roman, c'est qu'on découvre tout un vocabulaire du football de l'époque, un vocabulaire emprunté pour beaucoup à l'anglais. On a des center forward, des backs, des inside gauche, un vocabulaire qu'on n'utilise plus toujours. J'ai trouvé dans un article de presse de l'époque une critique où on dit « un reproche carême, oui, proscrivez tout mot anglais ». Mais à la lecture du roman, je me suis dit que c'était absolument passionnant et qu'il y avait une étude lexicologique à faire sur le vocabulaire du football, son évolution dans le temps et peut-être aussi ses variations géographiques. Et Rossano Rosi, vous proposez dans votre dossier pédagogique un exercice justement sur ce sujet du vocabulaire. Oui. Dans le matériel. Oui, moi ça m'a frappé en lisant le livre. En fait, je ne sais pas ce que Thierry Luther s'en pense, mais moi, j'ai retrouvé des mots qui existaient quand j'étais petit et puis qui ont disparu. Je me souviens du free kick, quand à Liège on disait free kick d'ailleurs, hein, bon, avec l'accent. Je me souviens du mot back, mais qu'on n'emploie quasiment plus jamais maintenant. Même penalty est toujours employé, mais on dit de plus en plus souvent coup de pied de réparation, hein, même si c'est beaucoup plus long. Le throw-in est devenu aujourd'hui une rentrée. Je trouve que la part de l'anglais dans le vocabulaire du football a vraiment décru par rapport, en tout cas par rapport à mon enfance dans les années 70, et certainement par rapport à l'époque de Carême, où c'était encore un sport, j'imagine, britannique, j'imagine que c'est ça. Et l'exercice que je proposais dans le dossier pédagogique, c'est tout simplement de relever les différents anglicismes, d'essayer justement de faire le tri entre ceux qui sont toujours vivants et ceux qui ne le sont plus, et c'est de comprendre pourquoi. Je pense qu'avec des jeunes, ça peut être très, très intéressant justement de se rendre compte qu'une langue, ça vit, ça évolue, ça emprunte des mots qui restent parfois, qui parfois disparaissent, comme c'est le cas dans la musique, comme c'est le cas dans plein d'autres secteurs socioculturels. Et donc ça, je pense qu'effectivement, il y aurait vraiment quelque chose de très intéressant à faire et qui est certainement lié à l'origine anglaise du sport, évidemment. Hein, mais selon les aires géographiques, ça change. C'est bien connu qu'en Italie, on ne dit pas football, on dit calcio. Et il y a certainement eu une volonté d'italianiser le sport dans la culture italienne, ce qu'on n'a pas fait en France ou en Belgique. Et là, peut-être que... Et Thierry Duterte, est-ce que vous, dans votre pratique, vous veillez à ne pas employer ces anglicismes? Est-ce qu'il y a des consignes éventuellement à la RTBF sur les termes à employer? Et est-ce que vous avez vu une évolution du vocabulaire justement employé par les journalistes au fil de votre carrière? Oui, comme Rossano vient de le dire, c'est vrai qu'il y a eu quand même progressivement des termes de plus en plus francisés, mais il m'arrive encore dans mes commentaires de dire « corner », peut-être par paresse, que c'est plus court que « coup de coin ». Dans l'ouvrage de Maurice Carême, il parle aussi de « keeper » pour le gardien à but, ça qui pour le coup est un terme totalement désuet. Et puis alors, il y a des termes, oui, je réponds à votre question, on parle un petit peu moins de termes anglais, mais il y a aussi des termes en français qui sont eux-mêmes désuets, parce qu'ils sont liés au système tactique d'une certaine période, dans le roman de Maurice Carême, comme intérieur droit, des choses comme ça, parce que là, c'était pour les plus anciens, un système tactique qui était plutôt celui du WM, comme on appelait ça, parce que quand on voyait l'équipe, ça faisait la forme d'un W et d'un M, géométriquement. Et donc, ce terme-là aussi, forcément, ont disparu. Et puis alors, j'ai quand même décidé une petite erreur, parce que dans l'ouvrage, à un moment donné, il est initié justement au jargon, puisqu'il ne connaît pas du tout le monde du foot. Et alors, si je me souviens bien, il y a en haute page, parce que j'ai une mémoire un peu visuelle, il y a toute une série de termes qu'on lui explique. Et dans cette énumération, dans cette liste, il y a « offside » et « hors-jeu ». Le seul problème, c'est que c'est la même chose. Donc là, il est tombé un petit peu dans le piège, puisqu'on a à la fois, dans la même phrase, le terme anglais et le terme français. C'est un petit détail, mais j'ai parfois l'œil un petit peu sagace. Mais voilà encore un terme qu'on n'emploie quasiment plus jamais, offside. Hein. Voilà, oui. Mais dans les années 70, je me souviens très bien, c'était assez courant de dire offside. Hein. Mon papa, avec qui j'allais au stade du Standard, pour ne rien vous cacher, puisque tout le monde sait que je suis liégeois, eh bien, lui, il disait toujours offside. Il disait offside, ça m'a marqué. Et c'est un terme complètement passé dans l'oubli. Hein, tombé dans l'oubli. Le référé pour l'arbitre, ça le référé, oui. Même si les joueurs, quand ils s'adressent à l'arbitre sur le terrain, parfois disent ref. C'est vrai.
Oui, ça existe toujours. Et quand même, un autre terme anglais qui a la vie dure, c'est coach. Hein. Coach, ah oui, alors Oui, là. ça, c'est resté quand même. Et d'ailleurs, en plus, le mot coach est redevenu à la mode, puisqu'on l'applique maintenant, on fait du coaching dans tous les compartiments de la société, quoi. Ouais. Oui, et ce qu'il faudrait voir, c'est que parmi ces anglicismes, lesquels sont aussi des belgicismes? Parce que je me souviens d'un article il y a quelques années du journal Libération qui disait que quand un entraîneur belge arrivait en France, eh bien, on voyait tout un vocabulaire un peu étrange apparaître, notamment parler de back, de keeper. Donc voilà, il faudrait creuser cette piste aussi d'anglicismes qui sont aussi utilisés uniquement en Belgique. Je pense que les Français sont plus sensibles aux anglicismes que les Belges, certainement. Hein. Même si la Belgique est une terre aussi de puritanisme, avec nos grammairiens, etc. Mais sans doute que ceci explique cela. Mais voilà, c'est juste une explication hâtive et non fondée. Alors, Rossano, Rosy, est-ce que vous pouvez présenter donc le dossier pédagogique et les dossiers pédagogiques d'Espace Nord en général? Quel est le but de ce nouvel outil pédagogique et quelles sont ses spécificités? Voilà, donc ce sont des dossiers qui ont été initiés il y a déjà maintenant quelques années, dans la foulée donc de la collection Espace Nord. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que c'est une collection patrimoniale qui édite ou réédite des classiques et des pas trop classiques ou de futurs classiques de la littérature belge francophone. Et qui a eu d'ailleurs, j'ai eu le plaisir au sein de cette collection d'éditer, de rééditer Maurice Carême qui en était absent il y a quelques années avec un choix de poèmes qui s'appelle 99 poèmes de Maurice Carême. Et dans la foulée, on a fait donc le roman Le martyr d'un supporter. Mais voilà, cette collection a plusieurs buts et notamment aussi de vivre dans les écoles pour essayer de faire vivre un petit peu plus la littérature belge dans l'enseignement du français, la littérature dans les écoles secondaires, parce qu'on se rend compte qu'elle est souvent soit absente, soit complètement évincée par la littérature française de France, et on comprend pourquoi, bien entendu, parce que c'est extrêmement important de parler de Voltaire, Rousseau, de Jean-Paul Sartre et de Camus, hein, bien entendu, mais je pense qu'il y a une place quand même à occuper un petit peu plus dans le chef de la littérature belge. Et c'est aussi la volonté de la collection Espace Nord d'entrer dans la sphère de l'école. Et l'une des choses que l'on a trouvées, c'était notamment de permettre aux enseignants, d'offrir aux enseignants de français des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, c'est des dossiers pédagogiques qui sont élaborés par des personnes du monde de l'enseignement, dont je fais partie. Hein. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille dans le monde de l'école. Et ces dossiers pédagogiques donc, sont gratuits, ils sont mis à la disposition de tout qui veut le télécharger sur le site d'Espace Nord. Voilà, et donc ils sont conçus de façon similaire chaque fois avec un protocole de présentation. On présente l'auteur, on présente son œuvre dans les grandes lignes, hein. Une documentation et des pistes d'analyse et des pistes de cours, de séquences de cours. Je ne dis pas qu'elles sont là déjà toutes prêtes, mais elles sont déjà là pour pouvoir donner l'impulsion à un prof qui souhaiterait dire, ben voilà, je vais travailler l'anglicisme à partir du roman de Maurice Carême. Il y a quelques pistes intéressantes, je l'espère en tout cas, dans le dossier pédagogique. Et je vais, plutôt que de partir de rien, je pars quand même de quelque chose. Et donc voilà, ces dossiers pédagogiques, il commence à y en avoir quand même un bon petit nombre. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la collection Espace Nord. Voilà. Je vous remercie. Alors, un dernier détail assez amusant par rapport au martyr d'un supporter, c'est qu'il a reçu un prix assez insolite. Hein. Maurice Carême, dans sa carrière, a reçu tous les prix littéraires possibles. Hein. Il a commencé par le prix Verhaeren, on a déjà parlé, le prix Triennal, le prix Rossel, le prix de l'Académie française, le prix du président de la République, le prix européen, le prix de Syracuse. Puis il a terminé par être élu prince en poésie. Mais pour le martyr d'un supporter, il a reçu la médaille olympique. Donc, si un jour on vous demande quel est le seul écrivain belge qui a reçu une médaille olympique, c'est Maurice Carême. Hein, aux Jeux olympiques de 1928, il y avait des concours dans toutes les disciplines artistiques, hein, pour réanimer l'esprit des Jeux antiques qui mêlaient à la fois compétition sportive et compétition artistique. Donc, Maurice Carême a reçu la médaille pour la littérature. Je l'ignore. Je crois qu'il y en a un autre. Ah, alors Je dois vérifier, mais je pense qu'il n'est pas le seul.
Ah, mais alors, vous serez Parce très qu'il y a eu content. la répétition des concours olympiques aussi de littérature. Je vous enverrai un mail, mon cher François-Xavier. Ah, mais oui, et nous l'ajouterons en dessous de la vidéo qui sera mise sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant en tout cas sur ce roman. Et maintenant, mais je vous invite, ensuite nous allons passer au ton d'écrivain, mais je vous invite donc, si vous avez des questions à poser sur le roman de Maurice Carême, sur ses différents aspects, le football de l'époque, la langue, le style, l'aspect métaphysique, l'aspect sociologique dont nous avons parlé, vous pouvez l'utiliser donc dans le chat, utiliser le chat, la discussion, et donc vous aurez vos questions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et j'avais une question hors antenne, Thierry Luthers. Vous évoquiez le fait que, voilà, on parlait des noms des clubs de football en soulignant que Maurice Carême utilise soit la couleur, soit Sporting, Daring. Donc, ces noms sont tous des noms anglais. Hein, on a parlé des anglicismes, mais vous me disiez qu'il y avait une exception. Vous faites allusion au standard. Voilà. À Voilà. l'histoire du monde du standard, que je trouve assez intéressant. Donc, le standard de Liège qui a été créé en 1898, même si en fait il y a une petite controverse à cet égard, parce que officiellement le standard de Liège aux yeux de l'Union belge est enregistré en 1900. Enfin, c'est un petit détail, mais qui a eu son importance quand même, parce qu'ils ont chaque fois fêté à contre-temps leur jubilaire, c'est-à-dire leur 50e anniversaire, et leur centenaire en 1998. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais le standard a été créé par des étudiants du Collège Saint-Servais à Liège, et donc il a fallu trouver un nom pour ce club. Et il y a eu un vote parmi les comités fondateurs entre deux noms qui ont été mis au vote, le Skill et le Standard. Pourquoi le Standard a-t-il été choisi? Tout simplement parce que c'était un club parisien en vogue à l'époque. C'est la raison pour laquelle on a choisi Standard de Liège. C'est intéressant. Donc, certains clubs qui regardent plutôt vers Paris, alors que d'autres, Sporting, Daring, on sent qu'on regarde plutôt vers l'Angleterre. Oui, il y a toute une étude à faire aussi sur la terminologie des clubs, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais surtout dans le football de l'Est avec les clubs qui s'appellent Dynamo, Torpedo, Locomotive, en fonction évidemment du groupe des ouvriers qui ont créé ces clubs selon qu'ils étaient cheminots ou de la sidérurgie, etc. Très intéressant. Alors, je ne vois pas arriver de questions. Donc, j'imagine que nous avons été très clairs et très complets. Et voilà, maintenant, je voudrais qu'on passe à la question des tombes et de la tombe en particulier de Maurice Carême. Et quel est le lien avec le football? C'est que Maurice Carême a voulu être enterré dans un lieu où il allait jouer enfant, notamment jouer au football. Donc, Maurice Carême, c'est un supporter de football. D'ailleurs, le livre est dédié à son père, qui est lui-même supporter, qui lui a fait découvrir le football. Donc, les gamins, ils jouent au football. Et puis, nous avons dans les archives des documents qui montrent qu'il était membre du club des supporters, exactement comme Prosper Bofino. Et donc, il a voulu, à la fin de sa vie, être enterré dans ce lieu où il allait jouer. Il le dit d'ailleurs dans un de ses poèmes, il dit, nous adorions jouer le long du cimetière. Seul un mur mal chaulé nous séparait des morts. Il nous semblait que c'était là que l'air riait le mieux parmi les parfums les plus forts. C'était dans un grand pré où les vaches laitières nous laissaient mutiler les saules de ses bords et frondeurs écrasés sans le moindre remords, leur gazon étoilé d'ache et de primevère. Parfois, las de courir, nous nous haussions à peine par-dessus le long mur éclatant de soleil où venaient se heurter aveuglées les abeilles, pour regarder longtemps, retenant notre haleine, parmi les fleurs séchées, les marbres et les ombres, le sombre abîme du mont, cyprès et des tombes. Donc, les tombes, c'est votre passion, c'est vous leur avez consacré. Plusieurs livres, cinq livres qui couvrent toutes les provinces wallonnes, qui sont. Et la région bruxelloise. Et oui. Donc voilà, dont on voit les couvertures. Et j'aurais voulu avoir votre sentiment quand vous avez découvert donc ce mausolée de Maurice Carême et sa situation donc assez particulière. Oui, c'est un cas assez particulier parce que c'est très rare dans le monde tafophilique belge. Donc la tafophilie, c'est la passion des tombes. Et moi, j'ai une passion encore plus singulière qui est celle des tombes des gens célèbres. Spécifiquement, c'est ça qui fait donc l'objet de mes ouvrages.
En fait, mes ouvrages, en un mot, c'est simplement rendre hommage à tout le patrimoine belge à travers ses célébrités dans tous les domaines, hein, le sport, la politique, l'histoire religieuse, militaire et bien entendu les arts. Donc Maurice Karim, c'est un cas un peu particulier, à double titre. Donc il a en effet, vous l'avez dit, un mausolée spécifique juste à côté du cimetière de Wavre, qui est un assez beau monument, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, il a une épitaphe, ce qui n'est pas fréquent non plus, je vais me permettre de la lire parce que c'est assez court. Puissé-je, quand la mort me croisera les mains, tandis que mon esprit rejoindra les collines, reposer à jamais sur ta large poitrine comme un enfant qui dort, oublié dans le foin. Et c'est un endroit extrêmement intéressant parce que ce que je regrette assez souvent dans les cimetières en Belgique, contrairement par exemple à la France, c'est qu'on ne met pas toujours en exergue les titres et qualités des défunts. Donc, je suis toujours surpris que des personnes qui ont eu quand même un gros CV dans n'importe quel domaine que ce soit, ben, ça n'est pas du tout mentionné sur leur tombe. Bon, donc moi, je suis journaliste sportif, je m'intéresse beaucoup évidemment aux tombes des grands sportifs. Il y a notamment au cimetière d'Anderlecht un Philippe Theys qui a gagné 3 fois le Tour de France. Il n'y a que 3 coureurs au monde qui ont gagné 3 fois le Tour de France, Louis-Jean Bobet, Greg LeMond et Philippe Theys. Je ne parle pas de ceux qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Donc, ce n'est pas rien. Et là, c'est une tombe totalement anonyme qu'a votre famille Theys. Moi, je trouve quand même que la famille devrait mettre à l'honneur par une petite plaque spécifique la vie du défunt. Donc ici, ben, on est dans le cas totalement au contraire, avec ce magnifique mausolée de Maurice Karim à côté du cimetière de Wavre, qui est un cimetière très intéressant d'ailleurs, où repose notamment une autre citoyenne assez célèbre de Wavre, Sœur Sourire, qui a quand même été dans les hit-parades américains avec l'immortel Dominique Lickelick. Voilà, et si vous voulez faire une promenade à Wavre, donc une promenade autour de Maurice Karim, ben, sa maison natale, elle a été détruite lors des bombardements, elle se trouve à la rue des Fontaines, puis vous montez vers l'avenue Philibert Marchaud, où il a passé son enfance, et là, vous êtes vraiment dans la continuité, vous continuez, vous allez vers le cimetière, et vous tombez sur sa tombe, et c'est pour ça qu'il disait « J'habitais près du cimetière, et c'est pour cela que la mort m'est devenue si familière ». Et Thierry, vous avez raison de souligner ces vers très intéressants qui relient la mort et le retour à l'enfance, comme si la mort faisait des défunts, des nouveau-nés fragiles qui doivent être portés dans le souvenir de ceux qui restent et qui s'endorment hein, dans le creux de la terre comme dans le ventre de leur mère. Ce qui est intéressant avec Maurice Karim, c'est qu'il avait un deuxième choix, comme il se doutait que ce serait très compliqué d'être enterré à l'extérieur du cimetière de Wavre. D'ailleurs, il est mort en 1978, il a fallu attendre 1985 pour l'inauguration du mausolée. Il avait dit que si ce n'était pas possible de réaliser son vœu, il voulait être enterré au jardin des poètes au Mont-Saint-Aubert. Alors là, Thierry Luther, c'est aussi un lieu tout à fait incroyable. Et ça, c'est un lieu assez magique, hein, chargé d'émotions. Alors, Mont-Saint-Aubert, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est tout à côté de Tournai. Et le Mont-Saint-Aubert est sur un promontoire. Et d'ailleurs, ce que vous voyez sur la photo, ce sont donc les tombes des 10 écrivains. Et derrière, vous avez l'église de Mont-Saint-Aubert, qui est tout au sommet là, de la colline. Et repose là, en effet, toute une série d'écrivains et de poètes. C'est un lieu qui a été imaginé dans les années 60 par Robert-Lucien Guérard et qui a été inauguré en mai 1971 grâce au mécénat d'un auteur, d'ailleurs, Géo Librecht. Et puis l'espace a été dessiné par l'architecte tournaisien Léopold Hénaud. Repose là-bas ben, Roger Baudard, qui était poète et essayiste, et son épouse Marie-Thérèse Baudard-Guillaume, Rachel Poulard de Guide, une poétesse, Louis Dubrow, qui, comme son nom ne l'indique pas, aussi une poétesse de son vrai nom, Louise Scheidt, qui épouse Janson, Robert Lucien Guérard, poète, nouvelliste, romancier, Georges Digéo Librecht, poète et écrivain en français ou en picard, Madeleine Guévers, aussi poétesse et romancière, Robert Léonard, qui était professeur de diction au conservatoire de Tournai, Maurice Gérin, et alors peut-être le plus connu, c'est Gilbert Delahaye, qui était en fait le scénariste des fameuses aventures de Martine, créées par le dessinateur Marcel Marlier. Gilbert Delahaye, qui est décédé en 1997. Et je peux vous dire, François-Xavier, qu'il n'y aura plus personne d'accueilli dans ce site, puisque comme vous le voyez dans cet arc de cercle qui ne manque pas d'allure et de majesté, eh bien, il n'y a plus de place. Mais il y a encore d'autres tombes absolument incroyables d'écrivains en Belgique, et il y a notamment celle-là qui est particulièrement impressionnante. Alors là, c'est évidemment la tombe d'Émile Verhaeren, qui, pour rappel, écrivait en français, quoique flamand. C'est d'ailleurs dans son village natal de Saint-Amand, le long de l'Escaut, qu'il est enterré.
C'est un petit peu le même phénomène que Maurice Carême. C'est un mausolée à l'écart, spécifique, très impressionnant parce que la tombe est en forme de bateau. Et puis, il y aurait toute une conférence à faire sur Émile Verhaeren, mais il est mort à Rouen parce qu'il a été poussé par une foule trop enthousiaste à la gare de Rouen. Il est mort, c'est une mort atroce et tragique, sur les roues d'un train. Et alors, son corps a été translaté à plusieurs reprises, notamment il a transité par le cimetière militaire d'Adinkerque, près de La Panne, pour se retrouver finalement donc là-bas, dans un endroit superbe où j'ai eu la chance de me rendre récemment. Évidemment, c'est un petit peu un endroit calme pour l'instant qu'à cause de la crise du Covid, mais on voit bien qu'il y a quand même tout un contexte un petit peu de restaurants et de terrasses de bistrot touristiques dans cette commune de Saint-Amand. C'est très impressionnant de voir le poète qui est comme sur un bateau avec Voilà. de l'escaut qui sauvage qui vient lécher la tombe. Et alors là, encore une tombe tout à fait admirable, étonnante. Oui, c'est une des tombes les plus connues du Père-Lachaise, la grande nécropole parisienne de 44 hectares. C'est la tombe du poète Georges Rodenbach, avec ce personnage qui a l'air de vouloir sortir du tombeau. Oui, elle est très, très fréquentée par les touristes parisiens et internationaux, puisqu'il faut savoir que le cimetière du Père-Lachaise est le cimetière le plus visité au monde, même si on y va, je ne vous le cache pas, prioritairement pour Jim Morrison. Mais la littérature a droit de citer au Père-Lachaise. La tombe d'Oscar Wilde a beaucoup de succès, celle de Marcel Proust aussi, la tombe d'Oscar Wilde qui est très impressionnante. Mais je pense que celle-ci est dans le top 10 des tombes les plus insolites du Père-Lachaise. On a parlé de Verhaeren, on a parlé de Rodenbach, on pourrait parler de troisième larron, si j'ose dire, qui est Maurice Maeterlinck, le Gantois, qui est, pour rappel, le seul Belge qui a eu le prix Nobel de littérature en 1911. Mais Maurice Maeterlinck n'a pas de tombe. Et il avait juste un mausolée avec ses cendres sur la corniche à Nice, devant la maison Maeterlinck, puisqu'il est mort à Nice en 1947. Et la famille a jugé utile de reprendre depuis les cendres de Maurice Maeterlinck. Et alors, pour terminer sur ce sujet, l'écrivain belge le plus célèbre au monde, Georges Simenon, ben lui non plus n'a pas de tombe, puisque ses cendres ont été dispersées dans sa propriété de Lausanne, en Suisse. C'est absolument passionnant de découvrir tout ce patrimoine. Est-ce que vous diriez que le patrimoine funéraire en Belgique n'est pas suffisamment reconnu, n'est pas suffisamment protégé? C'est une bonne question parce qu'en fait, il faut rendre hommage à Xavier de Floren, qui est surnommé à juste titre Monsieur Cimetière à la région Wallonne, parce que lui a pris le problème à bras-le-corps il y a quelques années en demandant aux communes justement de faire un relevé le plus précis possible de tout le patrimoine funéraire de leur cimetière, avec un souci de conservation de monuments à intérêt historique, architectural ou patrimonial. Bon, un petit bémol quand même, c'est que trop souvent, on retient dans ces cimetières-là les tombes de ce que j'appellerais les notables, donc le bourgmestre, le pharmacien, le curé, la grande bourgeoisie, ou bien alors des monuments vraiment d'intérêt historique qui ne sont pas forcément liés à une personnalité connue, de très belles chapelles du 19e, par exemple, de grandes familles d'industriels. Mais moi, je trouve qu'on devrait aussi conserver des monuments plus discrets d'écrivains, de sportifs, etc. Mais le problème, c'est que si la commune ne décide pas de classer ces bâtiments justement pour un intérêt historique, ben, la tombe risque de disparaître parce qu'en réalité, qui entretient une tombe, c'est la famille. Et donc, je me souviens très bien, puisque nous sommes dans une discussion littéraire, avoir été à l'ancien cimetière de Neuilly-sur-Seine et avoir cherché avec beaucoup de difficultés la tombe d'Anatole France, qui est dans un état absolument pitoyable. Et j'en avais parlé avec le conservateur du cimetière, qui m'avait dit, mais je ne peux rien y faire dès lors que la famille n'entretient pas la tombe. Et on parle quand même ici d'un écrivain qui a reçu le prix Nobel de littérature, donc ce n'est pas rien. Donc moi, je pense surtout que comme le phénomène d'inhumation est en totale régression, puisque 67% des Belges désormais se font incinérer en moyenne en Belgique chaque année. Donc, ben justement, essayons de bien garder toutes ces tombes et de bien garder le patrimoine tel qu'il est et le mettre encore plus en évidence. Un grand merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Il semble qu'il n'y ait pas de questions supplémentaires. Eh bien, Simplement préciser, si vous le permettez, François-Xavier, d'abord vous remercier, vous, la Foire du Livre, pour votre invitation, que je travaille actuellement sur un sixième tome qui sera précisément tous les Belges enterrés en Flandre, mais aussi tous les Belges enterrés à l'étranger, donc comme Rodenbach. Vous savez qu'au Père-Lachaise, il y a quand même quelques Belges célèbres qui reposent là-bas, comme Zénon Gram, par exemple, l'inventeur de la dynamo, mais aussi une baronne belge qui a été l'épouse du roi Léopold II.
Blanche de la Croix, baronne de Vourgant, que Léopold II, en fait, elle était la maîtresse de Léopold II et il l'a épousée sur son lit de mort. Elle repose aussi au Père-Lachaise. Ce sont des choses que vous découvrirez en octobre prochain lors de la parution de mon prochain ouvrage. Je suis très curieux déjà de découvrir et puis aussi découvrir où se reposent certains écrivains belges, puisque hein, la particularité de la littérature belge, c'est que nos écrivains sont beaucoup partis en France et donc évidemment, il y a beaucoup de patrimoine qui se trouve à l'étranger et notamment des amis de Maurice Carême comme Géon Orge et Jean Maugin, voilà, qui reposent en France. Et si vous avez envie, donc, après cette table ronde, de continuer par une visite de la maison de Maurice Carême, justement des objets qui ont été offerts par Géon Orge à Maurice Carême. Donc voilà. Bien, je voulais vous remercier, Roussane Grossi et Thierry Luters, pour votre participation. Remercier la Foire du Livre de Bruxelles pour l'organisation de cette table ronde virtuelle et remercier tous les participants en espérant que nous vous avons donné envie de découvrir le martyr d'un supporter de Maurice Carême. Et si vous êtes enseignant, vous servir de ce dossier pédagogique qui est gratuitement à votre disposition sur le site d'Espace Nord. Merci. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.